Il était près de midi. Les artères de la ville étaient encombrées par la foule des employés quittant leur travail. Le raid a fait plus de 200 blessés et 64 morts, dont les obsèques sont célébrées en présence de la population en deuil. Un contrôle mixte est entré en service à la gare d'Hendaye et les voyageurs qui viennent de présenter leurs bagages aux douaniers français n'ont qu'à se retourner pour se trouver à portée des douaniers espagnols qui exercent dans la même salle. Il ne reste plus qu'à souhaiter un contrôle simultané qui réduirait la formalité à une seule opération. Clouer son propre bec, il fallait y penser. Le yogi Rayo, lui, hindou par ses pratiques et turc par son passeport, n'a pas hésité. Depuis 3 semaines, il vit tant bien que mal, la langue bien pendue à sa planche de 16 kilos.